Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 1, 2, 3, fuck it. Trop contente, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que vous préférez chaque mois, le haul Shein. Comme d'habitude, ça change pas, vous avez mon code promo LEABSOLUQ1 qui vous donne 15% de réduction sur tout le site. Sans minimum d'achat, donc voilà, on commence toujours par les bonnes nouvelles avant de vous montrer ma sélection. Pour le coup, là on a aussi dans cette sélection quelques pièces hommes. J'ai pris quelques trucs pour Mathéo. S'il y a des garçons qui passent par là ou même des filles qui voudraient acheter quelque chose à leur mec, à leur père, à leur frère, n'importe quoi, vous auriez aussi quelques pièces hommes. Et on va commencer directement. Du coup, on commence par une pièce homme. Je dois avouer que Mathéo était pas très très fan. C'est pas sa pièce favorite, mais moi j'aime bien, je trouve que ça peut être hyper sympa en été. Donc à portée ouverte, fermée, je suis pas trop fan. C'est une chemise en fait à rayures, donc verte et blanche. Très très minime, c'est la qualité, bon rien à dire, hein. C'est vraiment pas mal. Je l'ai pris en taille M pour lui, elle lui va parfaitement. Et moi je trouve que ça peut être super sympa avec un t-shirt blanc, bien sûr à portée ouverte. Avec un petit short, ça peut être très très cool. Je me suis pris en fait une pièce pour moi, là c'est un ensemble de sport. J'avais vraiment envie de tester leur ensemble de sport sur Shein parce que je l'ai jamais fait. Et du coup c'était l'occasion. J'ai pris un set en fait avec un short, donc qui est comme ceci. J'ai pris une taille S, j'espère que ça va m'aller. Donc vous avez le petit short comme ça, couleur lilas, trop trop beau. Donc c'est vendu en ensemble. Et vous avez le petit t-shirt, donc on n'est pas sur une brassière, on est vraiment sur un t-shirt. Ça a l'air pas mal du tout en vrai. La couleur en tout cas est canon. On est vraiment sur une matière en plus élastique sport. Donc ouais, je suis assez surprise de la qualité, ça c'est pas mal du tout. Obligée de vous faire un petit update vidéo parce que l'ensemble est magnifique et surtout pas transparent, je vous avais promis de vous tenir au courant. Il est dingue, hyper confortable, je suis choquée, il galbe bien, il maintient bien aussi au niveau du haut. Je suis franchement hyper étonnée et surtout zéro transparence, donc franchement un gros point positif, je suis trop contente. Franchement, je pense que ça va devenir mon ensemble de sport favori. Il est trop ouf, je pense que demain je vais l'inaugurer à la salle. Trop trop beau. On continue avec une pièce pour les mecs. C'est un maillot de bain bleu. Donc il est légèrement dégradé. Vous savez, il est plus clair vers le bas. Vraiment pas mal. Je l'ai pris en taille M. Et franchement, la qualité, ça ressemble beaucoup au maillot de bain H&M qu'il avait pu acheter l'été dernier. Donc ouais, trop trop bien. Ensuite ici, ça c'est une pièce que j'avais trop hâte d'avoir. Je l'avais vue dans plusieurs couleurs sur le site de Shein. C'est un haut. Franchement, la qualité est trop cool. Donc en maille comme ça. Limite en fait la maille elle est super douce, je sais pas si vous comprenez, mais c'est une matière, vous savez, c'est de la maille mais qui est vraiment très très douce. Donc franchement trop beau à mettre avec un maillot de bain ou même après un short, trop joli. Ça pareil, je l'ai pris en taille S et ça m'a l'air pas mal, faut pas non plus que ça soit trop moulant. Enfin après chacun le porte comme il souhaite, mais moi j'aimais pas trop quand c'est trop moulant, c'est pour ça que j'ai pris du S. Mais voilà, ensuite j'ai pris un ensemble noir. Il a l'air cool, en plus il est doublé le short, donc là on aura... Non, en fait non, j'ai rien dit, il est pas doublé. En fait non, ouais, j'ai l'impression qu'il est transparent. On va voir au Trayan ce que ça donne, mais il m'a l'air un peu transparent. Bon sinon je le mettrai pour la plage, mais en fait c'est un ensemble du coup avec un petit top comme ça qui va venir se nouer. J'aime trop ce style de top. Là, je le vois à l'œil nu, vous le verrez aussi à la caméra. Il est complètement transparent, malgré le fait qu'il soit noir. Je l'ai pris en taille S. On va voir sur Trayan ce que ça donne, mais sinon je le porterai avec un maillot de bain à la plage. Je pense que ça peut le faire. De toute façon, c'est pas quelque chose que j'allais porter à Lille dans la rue. Mais il a l'air cool, franchement. Et je pense qu'il y avait d'autres couleurs. Il y avait du blanc aussi, il me semble, et beige. Je sais plus. En tout cas, je vous mettrai tout le temps les liens dans la barre d'infos, comme d'habitude. Mais franchement, trop cute ces ensembles. Petit update sur l'ensemble noir, du coup, zéro transparence. On voit rien du tout. Donc, agréablement surprise. Pareil pour le haut, zéro problème. Donc, c'est un ensemble que vous pouvez très bien porter à la plage, mais où vous voulez aussi. Parce qu'il n'y a aucun souci au niveau de la transparence. C'est vraiment un effet, je pense, quand il n'est pas porté. Mais du coup, zéro problème. Trop beau. Ça, c'est pour Mathéo aussi. C'est un short que je trouvais trop cool. Avec le cordon devant, je l'ai pris en taille M. C'est un short rose assez simple, finalement. Dans cette matière-là, vous savez, c'est vraiment la matière des jogs et des shorts habituels. Je l'ai bien pris en M. Ouais, c'est ça. Il a l'air super grand, par contre. Après, vous avez le nœud, donc ça peut le faire, mais... Trop beau et la couleur est vraiment jolie. Ensuite, je vais vous montrer ça. J'ai trop hâte de le déballer. Si vous voulez, c'est un bandeau en fait. Enfin, vous pouvez mettre dans les cheveux, en top, ce que vous voulez. Je le trouvais trop joli et surtout la couleur en fait. J'en avais pas mal quand j'étais petite, ce style de bandeau. Je l'avais en noir, en blanc. Et là, du coup, je l'ai pris en lilas. Il est trop, trop, trop joli. Par contre, je sais pas comment dire, mais vous savez, c'est dur.
Genre la matière elle est pas fluide. Je pense que c'est parce que je viens de le recevoir, donc il faut le temps qu'il se détende un peu quoi. Mais il a l'air pas mal. Est-ce qu'on peut le mettre en top? J'ai pas l'impression. Il m'a l'air, ouais, il est trop petit malheureusement. C'est un tout petit carré au final, mais dans les cheveux ça sera nickel. Trop trop beau. C'est pour Mathéo aussi. C'est une chemise du coup dans le même style que la première que je vous ai présentée. C'est une chemise avec plusieurs couleurs. Donc vous avez du rose, du blanc et du bleu. Pareil, je la trouve trop belle. Mais je trouve qu'elle peut aussi bien être portée par une fille. Vous mettez ça avec un maillot de bain à la plage. C'est trop canon je trouve. Donc c'est vraiment chemisette quoi. À laisser ouverte du coup. Parce que bon, fermé c'est pas fou je trouve. Pareil avec un t-shirt blanc et même le t-shirt rose vous voyez. Ça peut faire trop beau l'été. Ensuite, ça c'est pour moi. Du coup, on aura tous les deux notre short rose. Je hurle. C'est un short rose en jean. Ok, il a l'air très très fin par contre. Un peu surprise parce que d'habitude, les jeans jean. Ouais, il est très très fin pour le coup. À voir porter ce que ça donne. Mais c'est un short rose comme ça. Franchement, la coupe a l'air trop cool parce que il est bien resserré à la taille. Un peu évasé vers le bas. Il est déchiré juste ici. Franchement il est canon et la couleur est vraiment jolie. Je l'ai pris en 36 et je dis pas de bêtises. Ouais non XS du coup c'était en XS. À voir ce que ça va me porter mais ça m'a l'air pas mal quand même. Mais c'est vrai qu'il est assez fin pour le coup. Je vous montre un peu à l'intérieur. Et vous voyez il est vraiment très très fin. Après en été on n'a pas besoin non plus d'un short super épais mais ouais à voir. Petit update sur le short, il est parfait. Comme je vous disais, je trouvais ça dommage qu'il soit légèrement fin. En fait, ça pose aucun problème. Du coup, c'est assez léger à porter. Pas du tout transparent. Super bien taillé. Vous voyez, il est bien resserré à la taille. Et là, vous avez quand même un peu de marge en bas. Donc, j'aime beaucoup. Je suis fan. Franchement, je le portais tout l'été. Il est incroyable. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Après ça, j'ai pris un short que je trouvais trop joli. J'aime beaucoup cet effet. En fait, c'est une matière imitation lin, vous savez, un peu gaufré comme ça. C'est hyper à la mode cet été, on en voit partout. Et là, du coup, j'ai pris un petit short jaune. Vous avez le petit cordon, donc facile de le régler. Je l'ai pris en taille S, il a l'air vraiment très très cool. Et il m'a pas l'air transparent pour le coup à avoir porté. Mais pareil, je pense que c'est quelque chose que je vais porter à la plage. Donc c'est pas non plus super embêtant. Mais franchement, il est trop trop beau. Petit update sur le short, il est légèrement transparent. Malheureusement, vous voyez, j'ai les dessous jaunes et ça se voit. Donc ça sera vraiment un short à porter à la plage, il sera parfait. De toute façon j'avais prévu de le porter à la plage donc ça me pose pas problème. Mais voilà, à savoir c'est pas un short que vous pouvez forcément porter en dehors de la plage. Après bon, chacun fait ce qu'il veut mais je vous préviens du coup c'est plus un short de plage. Après ça j'ai pris trois pièces, c'est les trois dernières, c'est trois pièces vertes. C'est un énorme coup de cœur pour moi. On a d'abord cette robe que je trouve magnifique, j'ai trop hâte de l'essayer. Je l'ai pris en XS. Vous allez rien comprendre comme ça sur le try-on, mais en gros c'est une robe donc avec un effet un peu bustier en haut. Ici vous avez une découpe avec cette chose, ce rond comme ça. Et après vous avez la robe, enfin le bas de la robe du coup. Trop trop belle, la couleur est canon. Et en fait sur Shein j'ai remarqué que vous aviez parfois des marques. Je pense que vous en êtes rendu compte aussi. Et ça c'est pas la première fois que j'ai des pièces de chez eux. Du coup c'est Love and Lemonade. Et à chaque fois les pièces sont canon. Donc sur Shein si vous tombez sur ce shop, franchement il y a pas mal du tout. Et je trouve qu'il y a surtout sur ce shop là des bons dupes en fait. À chaque fois je trouve des dupes de marques australiennes ou de marques sur Insta qu'on voit. Et franchement ça peut être pas mal si vous êtes à la recherche du coup de dupes, ils font pas mal de choses. Je vous fais un update vidéo pendant le try-on parce que je suis dégoûtée. La robe est super mal taillée en fait. Il n'y a rien qui va clairement. Vous voyez, en fait, bah, je comprends pas quand je le baisse, en fait, on peut pas trop le baisser parce qu'après, il y a ma culotte, en fait. Du coup, limite, il faudrait le remonter. Mais en fait, ça, c'est trop long ici, cette partie-là. Donc, en fait, la robe, il n'y a rien qui va. Je suis dégoûtée parce qu'elle est franchement, elle pourrait être tellement jolie. Mais je pense qu'en fait, c'est fait pour les grandes. Donc, si vous êtes grande, je pense que ça peut le faire. Mais comme moi, 1m59, 1m60. Ça le fait pas parce que du coup vous voyez si je la baisse après là on arrive à ma culotte donc il n'y a rien qui va. Et en fait gros défaut aussi sur la robe, vous voyez normalement ici donc là vous avez le trépied droit et là, en fait ça a été tourné donc impossible de le remettre vu que vous avez le rond donc dommage. Ensuite du coup la deuxième pièce verte c'est cette combi que je trouve canon aussi, on est sur une matière super légère. Ouais je l'ai pris en XS 34 c'est ça, donc trop jolie aussi je trouve, elle est resserrée à la taille. Vous avez le petit décolleté comme ça devant. Ici, vous avez un effet drapé, donc ça donne un peu de mouvement.
Franchement, trop cool. Et comme je vous disais dans mon haul précédent, j'ai une obsession pour les combi shorts en ce moment. Franchement, là c'est une catastrophe, j'en avais pas une seule et là je me retrouve avec 15 combi shorts. Mais bon, bref, dernière pièce, franchement gros coup de cœur, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur moi. Pareil, ça il me semble que c'est un dupe d'une marque australienne que j'avais vu sur Instagram. Il est trop trop beau, c'est un top du coup dans une matière lin, pareil. Vraiment canon avec le petit nœud devant, on est vraiment sur un crop top super court. Je le trouve trop beau, la couleur est magnifique, la qualité rien à dire. On est vraiment sur une matière un peu lin et super épaisse, donc ouais, rien à dire. Il est trop trop beau, il est resserré aux manches comme ça, canon. J'avais oublié une pièce les gars, ce chapeau, je l'avais vu dans plein de couleurs et je le voulais trop en blanc. Franchement il est pas mal hein. Après ouais, faut qu'il prenne un peu sa forme. On va tester ça. Putain c'est tout juste pour ma tête hein. Franchement ok Ouais, en fait, je m'attendais pas à ça du tout. Je vous montre, mais ça rend pas du tout comme sur la photo. C'est un gros flop. Mais attendez, pourquoi ça me va pas les chapeaux? Peut-être que je vais me mettre dans le mauvais sens. Je m'attendais pas du tout à cet effet. C'est trop moche sur moi. Ou alors ça me va pas. Mais vous savez, c'est un peu comme les chapeaux Jacquemus qu'on a beaucoup vu sur Insta. Et du coup, je trouve que c'était un bon dupe. Mais en fait, je trouve que ça me va pas. Enfin, moi qui voulais me payer Jacquemus, je pense qu'on va éviter de faire cette connerie. Hein, puisqu'apparemment, les chapeaux comme ça, ça ne me va pas. C'est un flop, c'est pas grave. Les gars, je suis en plein montage. Je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer cette pièce. Et franchement, j'étais obligée de vous faire un update et de vous la montrer clairement. Parce que c'est une pépite. Et je l'avais pas sur moi dans la vidéo parce que je l'ai portée la veille à la salle. Du coup, en fait, c'est un ensemble de sport jaune. Trop, trop beau. Il est canon. Donc, la couleur juste incroyable. Hyper bien taillé. Vous voyez, ça galbe bien derrière. Franchement, il est dingue. La seule chose négative, la petite remarque, c'est qu'ici, vous savez, des fois, il baille un peu. Mais franchement, rien de super dérangeant pendant la séance. Et ce que j'aime bien, c'est que comme je fais 1m59, vous voyez, il tombe pas jusqu'en bas, dans le sens où il est pas super long. Il tombe parfaitement. Donc ça, franchement, c'est un gros point positif. Je l'ai pas toujours sur certains ensembles de sport. Donc voilà, gros point positif. Et j'étais vraiment obligée de vous faire un update et de vous le montrer parce qu'il est ouf, rien que la couleur. C'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle était votre pièce préférée. En tout cas, on se retrouve vite pour un autre haul Shein. Cette fois, il sera pas pour moi. Je pense me poster à la mi-juillet, je suis encore en pleine sélection. Du coup, on va faire la partie 2 de la vidéo, ma soeur fait mon shopping sur Shein. La première, c'était ma soeur qui avait fait mon shopping. Cette fois, c'est moi qui fais le sien sur Shein. Franchement, vous allez kiffer la vidéo, je pense. Vous aviez adoré la première partie, donc trop contente de vous faire cette partie 2. Là, franchement, ma sélection, elle est pépite. Elle est vraiment pas prête. Enfin, c'est trop trop bien. J'ai trop hâte de tourner la vidéo, de recevoir les fringues et de lui montrer. Donc, ça arrivera à la mi-juillet. C'est ici. Franchement, ça va vite arriver. Et j'ai trop hâte que vous voyez la vidéo. Je vous fais des gros bisous, les gars. Profitez bien de votre journée. Et on se retrouve la semaine pro pour une autre vidéo. Bisous.